Il y a quelqu'un, Jésus est puissant. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, Jésus est puissant. Et juste à côté de toi, Jésus t'aime. Jésus veut te délivrer. Il y a quelqu'un, Jésus veut te délivrer. Élie est l'inconnu, maintenant de papa pour le roumaïa. Dieu est merveilleux. Amen. Dis juste à côté, Jésus est merveilleux. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Dis à quelqu'un. Tana kasi abega jo, tana kasi abega jee.
dans ton ventre. Est-ce que tu ressens la même chose? Est-ce que maintenant, pendant que j'ai prié là, est-ce que tu sens que ça est là? Hein? Hein? Touche bien ton ventre. Touche. Est-ce que tu sens la boule? Est-ce que tu sens que la boule? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus plus de la vie? Il y a une boule qui tombait dans ton ventre. Est-ce que tu ressens la douleur? Non, papa. Tu sens la boule? Non, papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pour ma pleure, il m'a donné. Oui. Ça m'a commencé le 19 août. Le 19 août. Nous sommes oui. Oui. Je viens ma parole. Oui. Et puis, le mal m'a piqué. Oui. Je dis à ton mari. Oui. On dirait c'est un serpent qui a piqué dans mon ventre. Oui. On parle de ce jour-là. Oui. Le mal est venu. Oui. Donc, le lundi dernier, je suis partie à l'hôpital. Ils sont placés. Les radios, tout et tout. On dit qu'on ne voit pas la maladie. Oui. À l'hôpital, sur le lit de l'hôpital, le mal est parti. Oui. Donc, on a écrit dans mon carnet en rouge d'aller faire l'échographie. C'est ça que j'ai dit. Je vais aller voir mon prophète d'abord. Pour voir si ce n'est pas un mal du tout. Là, je vais aller faire des choses. Ça, je suis arrivé bien. Mais est-ce que tu m'as rencontré? J'ai vu. Oui, mais est-ce que tu m'as vu? Non, papa. J'ai vu ça derrière tout à l'heure que j'avais une boule dans ton ventre. Oui. Je savais que Jésus était prêt à te guérir maintenant. Ça me rejette. Pour pas pleurer, il va donner.